Un grave accident s'est produit ce samedi 2 juillet à proximité de l'hôpital général d'Ashboville. Un gamin d'environ 10 ans a été violemment percuté par un motocycliste imprudent, ce samedi, à proximité de l'hôpital général d'Ashboville. L'accident s'est produit aux environs de 18 heures. L'engin sans immatriculation était conduit par un adolescent sans aucun permis de conduire. J'étais arrêté et j'ai vu l'enfant en train de travers. Le feu était rouge. Mais le conducteur de la moto était en plein. Donc l'enfant traversait et c'est au niveau de la bande blanche qu'ils ont heurté l'enfant, témoigna riverain. Il y a eu plus de morts que de mal. La victime, mal en point, a été transportée en urgence dans les locaux de l'hôpital général avant l'arrivée des secouristes. Le bambin a été pris en charge au service des urgences. Les soins de la victime ont été entièrement pris en charge. Les parents de l'imprudent conducteur ont pris l'engagement d'assumer les frais d'hospitalisation de la victime.